il faut faire l'autre moitié des travaux. C'est la seule façon de régler les problèmes de sécurité, c'est la seule façon de régler les problèmes de fluidité de la circulation, c'est la seule façon pour créer une voie verte, il faut le répéter quand même. Quand je vois les écolos qui s'opposent à une voie douce, qui refusent même à la région Aquitaine de voter les 890 000 euros pour faire la voie douce, on a les bras qui en tombent. Et c'est la meilleure façon aujourd'hui de préserver l'environnement. Donc aujourd'hui, finalement, la question elle est simple. Et je vous l'ai déjà dit, c'est pas moi qui démolirai ce qui a été fait. Et je me battrai jusqu'au bout pour que l'on puisse terminer ce chantier.